Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle arme qui vient d'arriver depuis la nouvelle mise à jour 17.40 de Fortnite d'aujourd'hui. Alors cette nouvelle arme est une arme de l'IO et elle s'appelle le fusil à impulsion à rafale. Alors comme c'est une arme de l'IO, vous aurez de grandes chances de les trouver dans des coffres de l'IO, bien entendu. Donc si vous voulez, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres de l'IO pour vous aider à trouver cette arme. Et en plus de ça, vous allez pouvoir l'acheter pour 500 lingots d'or à Coral Castle près du personnage Chimera, comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Donc là, ben, c'est ce que je fais, je l'achète à Chimera pour vous montrer justement ses dégâts, sa cadence, son chargeur et son rechargement. Donc toutes les informations sont à l'écran, n'hésitez pas à mettre pause si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, ben, j'ai testé l'arme contre un PNJ, donc un personnage non jouable sur la map. Et là, j'ai remarqué que cette arme, en fait, c'est comme le fusil à impulsion, sauf que ça tire des rafales de balles de 2. Donc ça tire directement 2 balles. Ça fait poum, poum. Donc voilà, à une vitesse assez réduite. Mais si vous arrivez à mettre les 2 balles dans la tête du joueur, ça fera 2 fois 67 de dégâts au joueur. Dans le corps, ça fait plus ou moins 45 de dégâts. Donc si l'adversaire en face de vous a 100 HP, vous tirez 3 fois dans le corps et votre adversaire meurt directement. Donc voilà, c'est une arme exotique, assez efficace, j'ai l'impression. En plus de ça, à un moment, je me suis fait sniper par un joueur et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de tirer de loin. Et franchement, très efficace de loin, si vous visez bien, vous avez de grandes chances de toucher l'adversaire très facilement. Donc voilà, en soi, cette arme a l'air très très efficace. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce nouvel ajout de la mise à jour 17.40 de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mike et ciao. Peace. I'm